Tu te rappelles le surfeur d'argent? Le surfeur d'argent, vraiment? On n'est pas censé faire une année de review de série de sport? Bah, le surf, c'est un sport. T'es lamentable, tu sais ça. Mais bon, puisqu'on y est, oui, je m'en rappelle. Comment oublier quelque chose de si grandiose, de si troublant, de si émouvant, de si mélancolique, de si... De si, je fais seulement 13 épisodes, mais je me termine sur la fin du monde. Bon, tout le monde le sait, et ceux qui ne le savent pas doivent l'apprendre avant de regarder la série, elle se termine sur un gros cliffhanger où l'univers est détruit. On y reviendra, et on y remédiera. Avant ça, il faut qu'on vous parle de Jack Kirby. Jack Kirby est le roi. Ses fans, comme ses détracteurs, le lui reconnaissent parce que c'est un fait. Tout ce qui compte vraiment dans l'univers Marvel, à l'exception de Spider-Man, a été co-créé par lui. Les 4 Fantastiques, les X-Men, Hulk, les Vengeurs, et donc le surfeur d'argent. L'anecdote derrière sa création est révélatrice. Stan Lee a demandé à Jack Kirby de créer pour les 4 Fantastiques un nouveau méchant, un être quasi-divin qui se nourrit de l'énergie vitale des planètes et éradique d'innombrables formes de vie et civilisations depuis la nuit des temps à travers l'univers pour se maintenir en vie. Galactus. Quand Kirby a rendu sa copie, Lee a été surpris et irrité de découvrir que son associé avait dessiné sans son accord, aux côtés de Galactus, un être étrange, un bonhomme argenté sur une planche de surf. Interrogé, Jack Kirby a alors expliqué qu'il lui paraissait logique qu'un être tel que Galactus est un héros, un annonciateur qui le précède dans ses déplacements et avertit les planètes de la fatalité qui va s'abattre sur elle. Car Jack Kirby aime les dieux. J'ai dit que l'univers Marvel lui devait presque tout. L'univers DC, plus ancien, lui doit beaucoup moins. Cependant, c'est pour DC que Kirby a écrit ce que ses biographes considèrent comme son œuvre maîtresse, la saga du quatrième monde, mettant en scène les néo-dieux, au premier rang desquels Darkseid, devenu depuis l'un des méchants les plus iconiques de l'univers DC. C'est dans la saga du quatrième monde que Jack Kirby fait vraiment la démonstration de son goût pour l'idée du divin, pour les fables, pour les personnages et les récits un peu allégoriques, pour l'emphase qui va avec ce type de récit, pour les enjeux qui dépassent les simples mortels, et où pourtant les simples mortels peuvent jouer un rôle décisif. L'idée du surfeur d'argent annonciateur de Galactus a tout à voir avec cet état d'esprit qui caractérise Jack Kirby quand il est en roue libre. Et la série animée Le Surfeur d'Argent lui rend totalement justice. Bien loin des séries animées insipides et exagérément enfantines que Disney produit pour Marvel depuis quelques années, Le Surfeur d'Argent s'inscrit pleinement dans la tradition des séries Marvel des années 90-2000. Comme Spider-Man et les séries X-Men, c'est un feuilleton, ce que les séries DC de cette période ne sont globalement pas. Et comme Spider-Man, c'est plutôt introspectif, et je dirais même cérébral. Ce que c'est également, c'est... cosmique. Ça se passe dans l'espace, il n'y a presque pas d'humains et on ne voit presque pas la Terre. En découvrant la série après les films du Marvel Cinematic Universe, on peut être surpris de découvrir que le surfeur d'argent présentait déjà au grand public les Kree, les Skrull, Ego, Nebula, Gamora, Drax, Adam Warlock et bien sûr Thanos. Plus que Thanos, l'idée qu'on puisse terminer un cycle par une catastrophe provoquée par Thanos. On l'a dit, et on le précise du coup, la série se termine sur Thanos ayant détruit l'univers, et le surfeur jurant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Sauf que le Thanos du surfeur d'argent a été encore plus malin que celui du Marvel Cinematic Universe. Il a provoqué non seulement la destruction de l'univers dans l'histoire, mais aussi la faillite du studio, de sorte qu'il n'y ait jamais de saison 2, pour s'assurer d'être réellement inéluctable. Maintenant qu'on a résumé la fin, ça vaut sans doute le coup de résumer le début. La série ouvre sur une narration assurée par Watu, le gardien, nous expliquant que dans le vaste univers se livre une guerre sans fin entre les Kree, oui il le prononce comme ça, les Kree, ancêtres de toutes les formes de vie intelligentes, et les Skrull, oui il le prononce comme ça, et les Skrull, qui espèrent bien ravir à leurs impitoyables ennemis la place de numéro 1 sur le podium des gens qui comptent. Cette guerre, comme toute guerre qui s'éternise, n'aura à son terme que des perdants, et à cause de son ampleur, risque d'entraîner tout l'univers dans la chute des Kree et des Skrull. Mais il y a de l'espoir, car dans ce même vaste univers existe une planète, Zenla, où l'on enseigne la voie... de la paix. Ça paraît un peu idiot dit comme ça, mais il n'y a vraiment pas moyen de le dire autrement. L'enseignement de Zenla est si prestigieux qu'un beau jour, il pourrait même atteindre les Kree et les Skrull et mettre fin à la guerre qui oppose leur culture. Mais cet espoir risque d'être bientôt tué dans l'œuf, car Zenla a eu le malheur de croiser la route du tout-puissant Galactus, tellement tout-puissant qu'il est en CGI. Il est très beau. Nous qui sommes peu sensibles au graphisme et avons commencé par regarder les épisodes en mauvaise qualité, nous avons été époustouflés par l'image des épisodes sur DVD. La série a été produite en 1998 par un studio au bord de la faillite, et pourtant, grâce aux méthodes astucieuses qu'elle trouve pour contourner les limitations techniques, ses visuels nous ont paru immensément plus convaincants que ceux de Galactic Football de 8 ans sa cadette. Et pas uniquement les effets en 3D. Le style général du dessin en 2D, ou plutôt le type esthétique auquel appartient ce dessin, est très convaincant.
même s'il est relativement basique pour une série inspirée de comics. Non, surtout parce qu'il est relativement basique pour une série inspirée de comics. Parce que, comme la série se passe dans l'espace, il fait noir presque tout le temps. Et que donc les traits de contour et les effets d'ombre noire et opaque façon vieux comics renforcent l'effet créé par l'ambiance stellaire. Comme l'esthétique visuelle est soulignée par une ambiance musicale aux petits oignons, à la fois épique et solennelle, la série se retrouve à être impressionnante sur le plan technique malgré le peu de moyens dont elle a pu disposer dans le contexte de la faillite imminente de sa boîte de production. Quoi qu'il en soit, Galactus, son vaisseau spatial et les autres vaisseaux spatiaux et corps célestes en 3D nous ont subjugués et s'insèrent à merveille dans la série où ils soulignent l'ambiance grandiose et contemplative. Le grand Galactus ne peut être vaincu par la force des armes. Nous y reviendrons. Il se nourrit des planètes et rien ne peut l'en empêcher ou l'en dissuader, car sa survie lui importe plus que toute autre chose. Rien ? Nous verrons. Alors que Galactus s'apprête à fondre sur Zenla, le gardien, ému par la perspective de voir la seule chance pour l'univers d'avoir un avenir heureux digéré dans l'estomac du dévoreur de monde, décide de briser son serment de non-interférence et d'avertir le peuple de Zenla. Mais il est trop tard pour une évacuation massive. Au terme d'une série de scènes très émouvantes où Kree, Skrull et Zenlavien tentent sans succès de repousser Galactus, Norinrad, l'intrépide disciple du maître de Zenla, destiné à lui succéder, s'adresse au gardien qui, supplié, consent à proposer une solution. Norinrad approche Galactus et, soutenant son regard flamboyant et son rire dédaigneux, lui propose un marché. Galactus épargne Zenla et Norinrad cherche pour lui des planètes dont il pourra se nourrir, lui évitant de gaspiller son énergie à chercher de nouvelles proies et limitant les risques que Galactus meure de faim. Épargne Zenla et je te servirai tout comme le filet sert le pêcheur. Galactus accepte. Norinrad fait ses adieux à son maître et à sa fiancée, Shalabal, et jure qu'il ne conduira Galactus qu'à des planètes inhabitées. Mais Galactus, qui ne l'entend pas de cette oreille, transforme Norinrad pour lui conférer une parcelle de son pouvoir cosmique, nécessaire pour naviguer dans l'espace et chercher des planètes, mais aussi pour supprimer ses souvenirs, s'assurant ainsi la soumission totale de son nouveau héros. Lorsque la main de Galactus, qui s'était refermée sur Norinrad, s'ouvre à nouveau, c'est un être différent qui en émerge, et qui part explorer le vide intersidéral pour nourrir son maître. Il ne sait pas où il est. Où suis-je ? Il ne sait pas qui il est. Qui suis-je réellement ? Il se sent à la fois confus et incertain. Je me sens à la fois confus et incertain. C'est ce que je viens de dire. Il est le surfeur d'argent. Il a toujours quelque chose à ajouter. Je ne contrôle plus ma direction, ni ma vitesse. Quand il est dans ces dessins animés-là, il mérite qu'on s'en souvienne. Évacuons une bonne fois pour toutes la question de la planche de surf. Jack Kirby l'a dessiné comme ça parce qu'il en avait marre de dessiner des vaisseaux spatiaux. Il reprendra l'idée pour sa saga du quatrième monde. Mais dans la VF du dessin animé, le surfeur appelle sa planche Force Vive. À moi, ma Force Vive. Mais on l'appelle quand même le surfeur. Surfeur, surfeur avec un seul U. La série est un feuilleton, donc le mieux à faire pour la décrire n'est peut-être pas de résumer l'intrigue à partir de ce pitch de base, mais de faire comme on a fait pour Spider-Man, présenter les personnages et à travers eux les règles fondamentales de la série. Puisque Galactus est la première forme de vie qu'a connue l'univers à sa création, il est plutôt logique de commencer par lui. Galactus est une entité plutôt monolithique qui n'évolue pas au cours du récit et qu'on découvre d'emblée telle qu'elle est. Déterminée, imperturbable et maléfique. Oui, la caractérisation de Galactus dans la série a de quoi surprendre les fans de comics, habitués à le voir comme un personnage plutôt neutre, si ce n'est positif, victime de sa fin inextinguible, mais mal nécessaire à l'équilibre de l'univers. Le Galactus de la série animée Le Surfeur d'Argent est un prédateur, préoccupé uniquement par sa survie. Il n'essaye absolument pas de justifier ses actes, ni même de prétendre qu'ils sont justifiés, et rit dédaigneusement au nez de quiconque lui adresse la parole. L'audacieux petit insecte devient encore plus hardi. Son origine n'est pas donnée dans la série. Tout au plus est-il décrit comme aussi ancien que les débuts des temps. En revanche, le gardien nous avertit dès le départ que ses besoins sont si immenses que la survie des occupants des planètes qu'il dévore lui est totalement indifférente. Ils peuvent fuir ou non, ça lui est égal. Il laisse derrière lui des cadavres de planètes inhabitables, mais peu lui importe qu'elles aient auparavant été habitées ou pas. Il est fourbe, car il prive Norinrad de ses souvenirs sans l'avertir et en sachant que c'est contraire à l'esprit du marché qu'il a passé avec lui. Mais il a le sens de l'honneur, car lorsque le surfeur, vierge de tout souvenir, lui propose Zenla comme première proie, Galactus refuse, au motif qu'il a promis de l'épargner. Au-delà de cette seule et unique qualité morale, la mise en scène ne cherche pas à nous faire sympathiser avec Galactus, si ce n'est qu'à travers les actes du surfeur, elle lui reconnaît son droit de vouloir vivre, et ce simple instinct est plus honorable que les motivations plus complexes des Kree et des Skrull, qui font moins de victimes, mais les font sans nécessité. Galactus n'est pas invulnérable, mais le surfeur n'aura pas le réflexe utilitariste de le laisser mourir, et lui viendra en aide comme il vient en aide à tous ceux qui lui en font la demande.
C'est ainsi que le caractère mauvais de Galactus sert à montrer que la générosité du surfeur ne dépend pas des illusions qu'il se fait sur autrui. Le surfeur d'argent se caractérise d'abord et avant tout par sa grande noblesse d'âme. Il est évident que la série ne peut pas tenir plus d'une poignée d'épisodes avec un surfeur privé de ses souvenirs et héros de Galactus. Il recouvrera donc la mémoire et quittera son maître. L'anecdote où il lui sauve la vie a lieu après cette séparation, et il faut bien dire que ses motivations pour venir en aide à Galactus ne sont pas très claires. Toujours est-il qu'en quittant Galactus, il devient une âme solitaire errant entre les étoiles pour retrouver Zenla, boutée aux confins du cosmos par Galactus dans sa rage. Cette errance est l'occasion pour lui de vivre de courtes aventures, généralement sur un épisode, parfois sur deux. Ces aventures prennent essentiellement la forme de fables. Comme Cyber Six, plus encore peut-être que Cyber Six, le surfeur d'argent n'est pas une série d'actions. Le surfeur dispose de pouvoirs cosmiques aussi phénoménaux que mal définis, envoyer des rayons d'énergie, soigner les blessures, transmuter la matière, mais qui ne suffisent jamais ou ne sont jamais adéquats pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. Car c'est une règle immuable de ce dessin animé, le surfeur n'obtient jamais rien par la violence. La philosophie de Zenla n'a pas qu'une fonction décorative dans la série, elle la structure. Ses principes sont ce que la série illustre et leur bien fondé est son message. Or cette philosophie est essentiellement celle de Gandhi et de Mandela, en ceci qu'elle réprouve qu'on s'en prenne à ses ennemis sous prétexte qu'il l'aurait mérité. On a toujours des raisons d'en vouloir à l'autre pour ce qu'il nous a fait, mais si on décide de le lui faire payer, alors l'autre aussi aura des raisons de nous en vouloir et on n'aura fait qu'entretenir le cycle de la violence. Ainsi, chaque fois que le surfeur agira sous le coup de la colère, même s'il s'agit seulement de détruire quelques astéroïdes dans un élan de rage, ça se retournera contre lui. Et c'est fondamentalement pour ça qu'il sauve Galactus. Pas que pour ça, mais il y a de ça. Le surfeur d'argent est un super-héros, et ce n'est pas un être passif. Mais la stratégie qui lui réussit le mieux, celle qu'il doit à peu près systématiquement reconnaître comme la meilleure au fil de l'épisode, c'est la résistance passive, qui entraînera l'autodestruction de ses ennemis sous le poids de leurs propres contradictions. Ce concept n'était pas étranger à Jack Kirby. Mais surtout, c'est en vertu du caractère central de cette idée dans la série que les intrigues des épisodes font un peu figure de fable. Où les événements se déroulent autour du surfeur et suivent une progression qui paraît presque indépendante de lui. On se dit qu'un héros consensuel comme ça devrait être aimé de tous dans l'univers. Mais bien sûr que non, on est dans du Marvel après tout. Mais pour le coup, du Marvel parfaitement justifié et parfaitement crédible. Le surfeur était le héros de Galactus, personne ne l'a oublié. Galactus lui-même n'a toléré qu'il garde ses pouvoirs en le quittant que parce qu'il constitue aussi une marque d'infamie. Chacun se souvient qu'il fut un temps, puisque la série semble se dérouler sur plusieurs années, où l'on voyait le surfeur apparaître dans le ciel et Galactus surgir juste après pour dévorer la planète. Lorsqu'il était privé de ses souvenirs, le surfeur conduisait Galactus à des planètes habitées. Et puisque leurs habitants n'étaient pas toujours complètement cons, il arrivait qu'on décide d'évacuer avant l'arrivée du dévoreur de monde. Il y a ainsi tout un peuple vagabond de victimes de Galactus qui en veut la mort au surfeur d'argent. Mené par Gamora, ils apparaîtront occasionnellement dans les épisodes, patientant jusqu'à ce que vienne l'heure de juger le surfeur pour ses crimes. Mais le surfeur n'est pas non plus haï de tous, il a tout de même fréquemment droit à la gratitude de ceux à qui il vient en aide. Et si sa souffrance d'être loin des siens et de s'être rendu coupable de génocide et de celles qu'on endure seul, il est fréquent qu'il ait des compagnons de voyage. Le premier est Pip le Troll, dont le surfeur a contribué à libérer le peuple du joug des Kris. Il apporte un peu de légèreté à l'ambiance très solennelle de cette série. Pip est le personnage le plus typique de ce que peut être un compagnon pour un être tel que le surfeur. Un mortel terre-à-terre et sans pouvoir, qui détend l'atmosphère en faisant des commentaires désinvoltes sur la situation. Mais il n'est pas le personnage le plus léger, c'est Nova qui tient ce rôle. Nova, alias Frankie Ray, est le seul personnage terrien régulier de la série. Quand le surfeur décide de quitter Galactus, c'est Nova qui devient son nouveau héros. La série est très évasive sur la raison pour laquelle elle possède cette aptitude, mais même quand elle était humaine, elle avait le don de toujours trouver ce dont elle avait besoin. Ainsi, Galactus ne lui retire pas ses souvenirs, car il sait que si Nova cherche pour lui des planètes inhabitées, elle en trouvera toujours. Donc il tolère de la part de Nova qu'elle conserve l'éthique dont il a voulu priver Norinrad. Je sais bien que dans les comics, ses pouvoirs lui viennent d'un accident de laboratoire, mais dans la série animée Le Surfeur d'Argent, Galactus décrit son don comme si c'était un pouvoir de mutant. Mais c'est pas ça le problème avec Nova, elle est trop légère. Elle prend trop les choses à la plaisanterie. Ça détonne trop avec le ton très sérieux du reste des dialogues et donne l'impression que Nova est plus bête qu'elle ne l'est. Et allez savoir pourquoi, elle appelle le surfeur Silverado. Tu n'es plus l'homme que tu étais autrefois, Silverado. À part ça, Nova est une alliée fidèle du surfeur. C'est à sa demande que le surfeur accourt pour sauver Galactus. Et bien sûr, elle tente d'utiliser son pouvoir pour aider le surfeur à trouver Zenla. Avec des résultats mitigés. C'est en cherchant Zenla que le surfeur croise également la route de Mentor, le frère de Thanos, dans les comics c'est son père, de Drax, la création de Mentor,
et de Nebula la pirate. Tout ce petit monde recherche la bibliothèque universelle, qui regroupe tout le savoir engrangé par les gardiens, décimé il y a bien longtemps par une maladie. Le surfeur espère bien y trouver le chemin de Zenla. Mentor compte y découvrir le moyen de vaincre son frère, et Nebula est attiré par le pouvoir que représente toute cette connaissance. Mais ils devront tous prendre garde à ne pas être consumés par cette convoitise. De l'ancienne civilisation des gardiens, il ne reste que cette bibliothèque et un représentant, Watu, dont on a déjà parlé, qui n'est pas étranger à la disparition de ses congénères. Watu, jadis proactif parmi une race d'observateurs, a fini par se résigner à suivre le principe fondamental de non-interférence de son peuple. Il observe et il note, sans jamais pouvoir intervenir. Cette tâche lui procure une grande joie, mais aussi une grande tristesse, car il éprouve une profonde empathie pour toute vie dans l'univers. Il lui arrive donc de faire quelques entorses à ses principes pour donner un coup de main décisif en cas de crise majeure. Et tant mieux qu'il y soit prêt, car c'est lui qui, le moment venu, devra mener le surfeur à éternité et infinité pour être leur champion. Éternité est la personnification anthropomorphique du temps, et infinité est celle de l'espace. Nés de la conscience de toutes les formes de vie intelligentes qui ont vécu et vivront, ils sont à eux deux l'univers personnifié. Notons que puisqu'ils émanent de la conscience des êtres vivants, ils peuvent parfaitement être moins anciens que Galactus. On reste donc sur l'idée que Galactus est la toute première forme de vie que l'univers a connue. Capable de percevoir tous les futurs possibles, mais incapable aussi bien de prédire lequel adviendra que d'agir sans provoquer les dénouements les plus funestes, ils ont besoin d'un champion pour sauver l'univers en leur nom. Éternité a choisi le surfeur d'argent, mais Infinité redoute que le surfeur n'empire la situation si on fait appel à lui, car il a... trop de colère en lui. Le surfeur, inconscient des enjeux cosmiques de son développement personnel, devra tout de même leur prouver, par ses actes, qu'il est digne de leur confiance. La survie de l'univers en dépend. Mais attends, si le risque c'est la destruction de l'univers, comment le surfeur pourrait empirer les choses ? Passons, c'est une situation très poétique, on va dire que c'est pas grave si ça n'a aucun sens. Étant donné le résumé du début, on aurait pu penser que la guerre entre les Kree et les Skrulls serait un enjeu central de l'intrigue de la série. Mais non, c'est plutôt une toile de fond. La guerre, qui dure depuis des milliers d'années selon le gardien, n'a pas de raison de s'arrêter brusquement, car l'Empire Kree et la Confédération Skrull sont tellement vastes qu'aucune bataille ne peut être vraiment décisive. Le conflit est donc seulement l'état désespérant de l'univers, au sein duquel chaque personnage va chercher sa place, et éventuellement renoncer à la trouver. Oui, quand on parle d'état désespérant, ce ne sont pas des paroles en l'air. Dans l'univers du surfeur d'argent, où toute ta civilisation peut être anéantie en un instant par Galactus, et où tu peux te retrouver à tout moment victime collatérale du conflit entre les Kree et les Skrulls, il y a si peu d'espoir à trouver que la seule solution pour supporter d'être en vie est le déni ou l'abrutissement. Dans ce contexte, fuir la réalité en se droguant aux rêves artificiels, ou être dissous dans le grand blob que constitue la banque de données de la bibliothèque universelle, paraît un sort bien plus enviable que de rester un petit être isolé, limité dans ses connaissances et à la merci d'une réalité insatisfaisante. Mais ça encore, ce n'est rien. Les drogués à la machine à rêve finiront par renoncer à leur illusion pour affronter la rude réalité, et le surfeur prouvera que la vraie sagesse est de renoncer à la connaissance universelle pour garder son individualité. Non. Le plus terrible, c'est le sort d'Adam Warlock. Créé pour protéger sa planète, mais si puissant qu'il en effrayait ses créateurs, Adam Warlock a été enfermé par ceux-ci dans une dimension de poche où le temps passe en boucle et où il revit éternellement la même bataille. Délivré par le surfeur, il découvre avec horreur qu'entre-temps, ses créateurs se sont entretués sur leur planète et que les Kree et les Skrulls ont bien l'intention de se servir de lui et de sa puissance pour prendre enfin l'avantage. Devant cette cruelle réalité, Adam ne voit pas d'autre choix que de retourner dans sa dimension de poche, car revivre éternellement la même bataille lui procure la satisfaction illusoire de se rendre utile et de sauver son peuple. Et le surfeur le laisse faire, car c'est effectivement le seul moyen pour Adam Warlock d'être heureux. Voilà combien l'univers du surfeur d'argent, hanté par Galactus et pourri par la guerre, est désespérant. Pourtant, même si la guerre n'est qu'une toile de fond, le surfeur rencontre les Kree et les Skrulls dans quelques épisodes, ce qui nous donne l'occasion de constater que là, pour le coup, ils sont fidèles à leur caractérisation des comics, en ce sens qu'il n'y a pas de camp des gentils et de camp des méchants. Il y a les méchants, qui sont les Skrulls, et les encore plus méchants, qui sont les Kree. Les Kree, menés par le Maître Suprême, l'intelligence artificielle que le film Captain Marvel a fait connaître au grand public, sont froids, arrogants, calculateurs et impitoyables. Leur seule qualité est qu'ils sont civilisés, mais leurs manières sont essentiellement présentées comme un outil qu'ils mettent au service de leur machination, ce qui fait qu'ils apparaissent aux spectateurs comme de véritables méchants très méchants. Les Skrulls, plus sauvages et sanguins, paraissent légèrement moins antipathiques par comparaison. Calculateurs, ils peuvent l'être autant que les Kree, et c'est eux qu'on nous présente comme capables de condamner toute leur espèce pour satisfaire leurs ambitions personnelles, mais ils nous sont présentés comme globalement plus chaleureux que les Kree. Il faut dire qu'on nous montre des bébés Skrulls, et pas des bébés Kree, ça aide. À ce sujet, chacun sait que les Skrulls sont des polymorphes qui utilisent cette compétence pour l'infiltration. On les voit très peu se transformer dans la série animée, et généralement, pas de façon à ressembler exactement à quelqu'un ou quelque chose d'autre. D'un autre côté, on peut supposer qu'ils ne font pas la démonstration de leur pouvoir devant n'importe qui, pour ne pas en laisser connaître les temps
attendu au premier venu. On va dire ça. De toute façon, personne n'a de bonne raison de dissimuler son identité au surfeur parce qu'il aide tout le monde sans distinction. La seule chose qui pourrait substantiellement influencer son comportement serait de lui donner l'illusion d'avoir retrouvé Zenla, sa planète. Et un Skrull ne peut pas prendre l'apparence d'une planète. En revanche, Ego, la planète vivante, le peut. Magnifique transition, si ce n'est que sur Ego, il y a peu à dire. Il est comparable à Galactus en ceci que c'est une force primaire gouvernée par des instincts et des besoins. Là, pour le coup, les gens seront surpris d'apprendre que le Ego du dessin animé n'est pas un méchant. Enfin, pas vraiment. Juste encore un peu moins méchant que Galactus. Il est égoïste, et c'est ce qui fait qu'il restera l'ennemi du surfeur lors de leur deuxième rencontre. En revanche, s'il était l'ennemi du surfeur lors de leur première rencontre, c'est parce qu'alors Ego, sous la menace, travaillait pour Thanos. Tout le monde connaît Thanos. Dans les comics, l'anecdote la plus connue le concernant est qu'il a regroupé les 6 gemmes d'infinité pour, d'un claquement de doigts, anéantir la moitié des êtres vivants dans l'univers. Dans les films du Marvel Cinematic Universe, il le fait pour des raisons écologiques, mais dans les comics, il le fait dans l'espoir de séduire la personnification anthropomorphique de la mort, dont il est amoureux. Cet aspect du personnage que les films n'ont pas osé adapter, le nihiliste amoureux de la mort, la série animée l'a retranscrit à l'écran, sauf que, censure oblige, c'est de la personnification anthropomorphique du chaos, pas de la mort qu'il s'agit. A l'inverse de son frère, le gentil mentor aimé de tous, Thanos, le titan fou, est une âme torturée. Doté d'une force prodigieuse, de pouvoirs surpassant même ceux du surfeur, et créé par son scientifique de père pour être un agent de châtiment, il est mu depuis sa plus tendre enfance par des pulsions destructrices. Et tout ce que je touchais de mes mains mourait. Oui, on n'a pas le droit de dire mort ou tué, mais on a le droit de dire ça tel quel. Logique de censure américaine. Dans le but de juguler ces instincts meurtriers qu'ils avaient pourtant eux-mêmes créés, les parents de Thanos l'ont envoyé sur plusieurs planètes, dont Zenla, pour qu'il y apprenne la voie de la paix. Mais pour une raison ou pour une autre, ce fut un échec. Maintenant, Thanos arpente seul le cosmos, nihiliste détruisant des planètes pour plaire à sa bien-aimée, espérant amasser un jour suffisamment de puissance pour anéantir l'univers tout entier et offrir au chaos le spectacle de sa destruction en guise de bague de fiançailles. Chaos n'est pas un personnage, c'est une statue. Thanos lui parle et réagit comme si la statue lui répondait, mais il paraît de plus en plus évident au fil de la série qu'il fait lui-même les questions et les réponses. Et on en vient à se demander si la déesse qu'il vénère à travers cette statue existe réellement ou s'il est juste complètement fou. Son vœu le plus cher est que la statue s'anime. Il espère qu'en causant suffisamment de destruction, il gagnera suffisamment son estime pour qu'elle daigne interagir avec lui. Thanos n'est pas une création de Jack Kirby, mais de Jim Starlin. On a beaucoup accusé Starlin de s'être inspiré de Darkseid, le néo-dieu de Jack Kirby pour le personnage de Thanos, mais l'intéressé, lui, affirme s'être plutôt inspiré de Metron, un autre personnage du quatrième monde créé par Jack Kirby. Et en effet, l'espèce de casque à sourcils que porte Thanos évoque plus Metron que Darkseid. Dans tous les cas, le Thanos de la série animée Le Surfeur d'Argent se démarque énormément de l'image qu'on a de lui quand on le compare à Darkseid. Thanos est très puissant, mais il est tout sauf classe. C'est un misérable. La VO comme la VF ont pris le parti étrange de lui donner une voix douce et jeune qui contraste avec son aspect massif et brutal, et qui achève de le camper comme un esprit dérangé, un rêveur esclave de ses sentiments et manipulé par ses propres illusions. Mon amour, je ne trouve pas de mots pour décrire ce que je ressens. Maintenant que tu es enfin avec moi pour l'éternité. Bon, ceci dit, ça ne colle pas toujours au style des dialogues de la série, et ces tirades emphatiques ne sont pas toujours très convaincantes. Non, alors tu as habité Zenla ? J'y ai étudié il y a très longtemps, et j'en ai trahi la haute philosophie. Je ne serai plus jamais digne de regarder la belle lumière qui émane de Zenla ! Non, croyez-moi, ce n'est guère mieux en VO. You are from Zenla ? Years ago, did I study there? Years ago, did I fail? Never again can one such as I face Zenla's shining light! Thanos est l'un des méchants les plus réguliers, ce qui ne veut pas dire grand-chose dans une série de 13 épisodes. Mais c'est surtout une sorte d'électron libre, beaucoup moins connu et redouté que les Kree, les Skrull ou Galactus, mais tout aussi dangereux. En cela, il est comparable à l'esprit de l'anneau du Millennium dans Yu-Gi-Oh! Ou à Barbe Noire dans One Piece. Il est celui que personne, sauf le spectateur, n'a vu venir, alors qu'il a dès le début le potentiel pour rafler la mise. Et il la rafle effectivement. La série se termine sur Thanos ayant renversé le cours du temps et réduit l'univers à une soupe primordiale de matière condensée, et le surfeur, seul survivant du massacre, bien décidé à en découdre dans le vain espoir qu'en affrontant Thanos, il pourra tout réparer. La fin ? Non, ça ne peut pas être la fin. Et pourtant, ce fut la fin. La faillite du studio anéantit tout espoir qu'une saison 2 soit produite. On a promis d'y remédier, alors voilà. Quelques années plus tard, le scénariste en chef, Larry Brody, a consenti à rendre public les scripts des 6 premiers épisodes de la saison 2,
qui, nous devons le dire, s'annonçait tout à fait fidèle à ce qu'avait été la saison 1. Et qui plus est nous révèle, au premier épisode, ce qu'aurait dû être la fin de l'intrigue de Thanos. Pour vous, en exclusivité dans ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, voici un résumé illustré du dénouement du conflit opposant le surfeur d'argent à Thanos, et dont l'enjeu est rien moins que la survie de l'univers. Thanos a gagné. L'univers est anéanti. Le temps et l'espace n'existent plus, seul reste l'œuf primordial que le cosmos était à sa naissance et qui tient désormais dans la main du titan fou. Pourtant, sa déesse reste silencieuse, indifférente au triomphe de son soupirant, qui désespère. Que pourrait-il détruire de plus que la création tout entière ? Tandis que Thanos oscille entre jubilation, lamentation et révolte, le surfeur, seul rescapé du désastre, jaillit de l'œuf après avoir vaillamment lutté pour en traverser la coquille. Ayant repris forme dans le vaisseau de Thanos maintenant situé hors du temps et de l'espace, il fait face au titan, l'univers en main. Fidèle à sa nature pacifique, il tente de convaincre Thanos de renoncer à son projet insensé et le conjure de faire marche arrière si toutefois il n'est pas trop tard. Bien sûr, il doit le faire tout en esquivant les attaques de Thanos qui, fidèle à sa nature belliqueuse, harcèle le surfeur. Comprenant qu'il ne parviendra à rien par la force brute et désireux d'anéantir même l'espoir dans l'âme du surfeur, Thanos engage avec le Zenlavien un curieux duel de l'esprit. Il invite son adversaire dans son passé et lui montre comment, de son rejet par son père et son frère à sa rencontre avec Kao, il en est venu à souhaiter l'anéantissement de toute vie dans l'univers. Et replongé par son ennemi dans ses souvenirs les plus douloureux, le surfeur manque d'être consumé par une haine telle qu'il s'apprête à engager avec Thanos un ultime duel à mort, dont bien sûr, tous deux sortiront perdants, actant définitivement la fin des temps. Mais Norinrad se ressaisit. Il se rappelle l'enseignement de Zenla et applique la seule stratégie qui jusque-là lui a réussi. Il invite à nouveau Thanos dans son esprit, où règne maintenant la paix de Zenla. Submergé par ces images, et saisi par le regret d'avoir préféré la destruction qui ne lui a finalement rien apporté à la plénitude qui aurait pu être sienne s'il était resté étudier sur Zenla, Thanos tombe à genoux. Profitant de cet instant d'hésitation, la statue s'anime enfin. L'entité personnifiant le chaos s'éveille, grandit et s'empare du titan, décidé à saisir cette occasion inespérée de le neutraliser. Car jadis, c'est bien en chair et en os qu'elle rencontra Thanos, qui, subjugué par elle, n'accepta pas qu'elle repousse ses avances et la soumise par la force. C'est pour lui échapper qu'elle s'est changée en pierre. Et c'est pour ne plus être captive de son vaisseau qu'elle se manifeste enfin et profite de cet instant fugace où, pour la première fois, elle le surpasse. Ayant réglé son compte à son ravisseur, Kao se tourne vers son libérateur et lui propose ce qu'à Thanos elle a refusé, de régner à ses côtés sur un univers de chaos. Le surfeur refuse et, dans un éclair de génie, lance l'œuf renfermant l'univers sur l'entité, pour que de la confrontation de la matière et de l'énergie avec le chaos renaisse la réalité. Ainsi a lieu un nouveau Big Bang, Galactus naît comme au début des temps, et dans son sillage, des planètes et des civilisations émergent et disparaissent, les Kris et les Skrulls entrent en guerre, et sur Zenla, Norinrad propose à Galactus le marché par lequel tout fut rendu possible. Éternité et Infinité félicitent leur champion et lui révèlent que, bien sûr, cet univers est un peu différent de celui que le surfeur a connu, mais que cela, il le découvrira en rentrant sur Zenla. On est passé sur certains détails, mais c'est en gros ça que raconte le script de l'épisode 14. Le ton emphatique de notre résumé est représentatif de celui de la série, donc nul doute que si cet épisode 14 avait vu le jour, sa mise en scène aurait été tout aussi emphatique. Le script trouvable en ligne, en revanche, ne l'est pas tellement. Au contraire, et c'est d'ailleurs pour ça que nous vous encourageons à aller le lire vous-même, il est écrit dans un style plutôt humoristique, mais un humour de connivence qui tourne subtilement en dérision les codes de la série. Car au fond, comme on l'a dit, les épisodes sont un peu tous construits sur le même modèle, c'est l'enrobage qui varie. C'est la raison pour laquelle on peut décrire la série en relativement peu de mots. Mais cette constance n'atténue en rien la qualité du dessin animé, car ce modèle sur lequel les scénarios sont invariablement construits est bon. Il est original et surtout, il est bien maîtrisé par les auteurs. Encore une fois, la philosophie de Zenla n'est pas juste là pour faire joli dans la série. Les scénaristes et dialoguistes ont compris comment on peut écrire des histoires articulées autour de l'idée qu'on peut vaincre sans combattre. On ne peut que déplorer que la série n'ait pas été plus longue, car les scripts des premiers épisodes de la saison 2 prouvent qu'on pouvait aller encore plus loin avec ce concept. Le style de la série animée Le Surfeur d'Argent est atypique pour une série de super-héros. Mais en ce qui nous concerne, il nous a convaincus. Plus que nous a convaincu l'intrigue de Thanos dans le MCU, qui, partant des mêmes bases, l'a fait d'une manière qui nous parlait beaucoup moins. Mais ça, c'est une autre histoire. Et promis, on en reparlera la prochaine fois. Donc, en dépit de ces allures de projet avorté, pour avoir su associer ingénieusement l'épopée à la mélancolie de sorte à offrir un spectacle à la fois grandiose et émouvant, la série animée Le Surfeur d'Argent mérite qu'on s'en souvienne. Maître de Zenla,
En m'adressant à toi et au tien, je brise mon serment le plus sacré. Depuis des milliers d'années, l'enseignement prodigué sur Zenla a été un rayon de lumière dans un univers obscurci par les combats et le chaos. Et dans l'espoir de voir cette lueur briller encore longtemps, j'ai pris la décision de venir vous avertir d'un danger. Sachez que Galactus va bientôt fondre sur votre planète. Mais depuis la malheureuse disparition de Jango Fett, nous avons dû fragmenter son ADN afin de produire davantage de clones. Et c'est surtout ce que tu as attendu toute ta vie. Tu as trouvé aujourd'hui une chance d'explorer les étoiles. Alors saisis-la, mon amour. Et tu seras heureux. Allons, c'est ridicule! Obliger Franz à se mêler à ces jeux stupides. Ne me rejette pas. Laisse-moi me racheter. Un jour, je t'offrirai l'univers tout entier, ça je peux te le jurer. Et ensuite, ma bien-aimée, si tu es toujours d'accord, nous aurons l'immense plaisir de le détruire ensemble. Je te rappelle qu'il devrait être avec toi. Puissant Galactus, écoute mes paroles. Pendant des milliers d'années, Zenla a enseigné aux civilisations de l'univers l'harmonie et la paix. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Mais tu dois le savoir, si tu détruis notre planète, c'est l'univers tout entier que tu condamneras avec elle. Non, c'est affreux. Je comptais énormément sur ce mariage. Cette exécution ne sert à rien s'ils ne viennent pas pour y assister. Un grave danger va menacer l'univers, et bien entendu chacun de nous. Elle aura peut-être un peu de mal à s'habituer, mais j'ai pensé qu'il était préférable pour elle qu'elle poursuive ses études dans une excellente école plutôt que de rester avec moi aux Indes. Mon frère pense que le surfeur d'argent devrait être capable d'écarter ce danger. Je crois au contraire qu'il risque de l'aggraver. La quête obsessionnelle du surfeur d'argent pour sa planète n'entraînera pas uniquement sa propre perte, mais aussi celle de l'univers. Ka, le bruit court que t'auras bientôt besoin d'un nouveau coéquipier. Pense à moi. Je commence à m'ennuyer au laboratoire.